Bakary Cissé. Coach, le système avec lequel vous avez joué contre le Gabon, c'est le même système avec lequel vous avez joué au Togo. Et malheureusement, ce jour-là, votre équipe était ballottée. Mais face au Gabon, nous avons vu qu'il y avait une domination territoriale de l'équipe. Est-ce à dire que c'est vous qui compreniez mieux ce système ou bien les joueurs sont parvenus à évoluer et à comprendre que c'est un système à double tranchant, un couteau à double tranchant plutôt? Non, il n'y a pas de système à double tranchant. Et en fait, le système, encore, je le dis, je le répète, Bakary, ce n'est pas le plus important le système dans le football, quoi. Je veux dire, les gens parlent tout le temps de système, de système. Mais je veux juste, pour ton information, te dire que dans cette équipe nationale, il y a de grands joueurs. Ce n'est pas des joueurs, ce n'est pas des jeunes joueurs. C'est des joueurs aujourd'hui qui font ce qui font le métier le plus noble, mais ils le font dans des clubs, ils le font dans des championnats les plus relevés. Tactiquement, ce sont des garçons qui sont au courant de ce que je fais. Habib il est là, d'autres, vous pouvez leur demander, ils sont au courant du système qu'on est en train de faire. Ils savent exactement quel est leur rôle dedans, donc ils essayent de le remplir. Encore une fois, si tu le dis, il n'y a pas un système qui est infaillible. En réalité, chaque système a ses avantages, a ses inconvénients. Si on avait le système approprié où chaque fois qu'on met ce système-là, on gagnerait, bah, tous les entraîneurs iront là-bas pour être le talibé, en réalité, de cet homme-là qui a trouvé ce secret-là. Donc, sûr que dans chaque système, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais je suis plutôt satisfait du rendement qui a été donné par l'ensemble du groupe contre le Gabon. Donc on verra contre le Bénin. Peut-être que ça sera un autre système ou bien ça sera le même système. Une chose est importante, c'est que les joueurs aujourd'hui sont concernés. Ils savent ce que j'attends d'eux et de ce que l'équipe attend d'eux. C'est à eux de faire le maximum justement pour que chacun soit à son meilleur niveau pour que collectivement qu'on puisse avoir vraiment une expression collective digne de ce nom-là et gagner le match et se mettre surtout en confiance pour les prochaines échéances.